boss too. Ta technique s'améliore. Ah ben putain. Il y a rien à dire, l'autre con. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Fichez-moi le camp avant que je vous arrache les jambes, bande de chiens! C'était cool. Mais encore heureux qu'il y en avait un niveau 2 et un niveau 4. Parce que c'est vraiment grâce à ça qu'on a gagné. Enfin, je pense que ça aurait été un peu plus dur. Un peu plus long surtout. Du coup, bah on se casse. Pourquoi est-ce que son fils l'a trahi? Tuer son propre père pour un trésor? Il faut être vraiment cupide. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne tiens rien pour acquis. C'est vrai qu'il avait pas l'air d'être un très bon père. Mais quand même... Tu ne connais pas toute l'histoire. Merde. C'est vrai. Je crois que c'était un objet quelconque. Faut que je fasse une petite pause et après on continue. Pas besoin de le combattre, mais... ressources. C'est parti! Ah merde, d'accord, c'est un rayon de feu. Y arriver. Oh la vache. Oh,
pas faire ton... Je suis pas fait tomber de pierre en fait. Non. Oh la merde. Non, lève-toi. On a eu de l'expérience, il est mort. Ah non, ah non, 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 il est pas mort. Non. Non. Comme un con. Pas un bon arbre. Ah merde, j'ai pas... Attention. C'est bien là. Salut Saphir. Ah la vache, monte dedans. Monte de... T'as merdé Kratos. Bon, il va mourir. Ah, on l'a pas fini en beauté. Je crois que je m'améliore. Gravade ancien qui... On l'a pas tué en beauté avec une animation et tout. Pas grave. Ça peut être bien. Bon, on retourne au nain. Il va peut-être nous dire quelque chose sur le couteau. Vous n'aurez... On n'a pas trouvé de pierre à aiguiser. Cette dague appartient au pillard qui l'a prise. Ils ont pris tout ce qui avait de la valeur. Oh, bon. Tiens, prends ça, en échange de la dague. La dague que vous... Activez en visant pour ralentir le temps. Dans ce mode, les attaques à distance sont plus puissantes. Fais voir un peu. Vous m'avez apporté est intéressante. Sans raffinement, mais de bonne facture. À quel endroit du temps l'avez-vous trouvé? Ah mais faut l'activer. Il a dit qu'il faisait partie d'un clan plus grand. C'est peut-être eux qui ont pris la pierre. C'est fort probable. Je suis sûr d'avoir déjà vu ce motif. Quoi ? Ah, attends.
Ah là, le temps ralentit là. Okay. Faut faire R3. Oula, non, c'est trop compliqué. C'est très chiant. Très très chiant. Je préfère ma rage. Je préfère largement la rage. Comment ça se fait que Brock soit bleu et pas toi ? Atreus ! Non, ça va. C'est une très bonne question, à vrai dire. Vois-tu, mon frère n'est pas aussi prudent que moi. Il préfère travailler les métaux à main nue, sans gants. Il affirme que c'est le seul moyen pour lui d'entendre les matériaux parler. Seulement, à force d'être au contact de l'argent pur, la peau s'altère irrémédiablement. Ça veut dire pour toujours. Mieux vaut ne pas lui en parler. Tu sais à quel point il est susceptible. Oui, je suppose que ça se tient. On a le choix. Bon, ça pour l'instant on peut pas. Il faut encore tuer un ancien en plus. Donc ça, ce sera pour plus tard. Mais on peut faire l'avant-bras, enfin l'avant-bras non, parce qu'on a déjà un truc très bien. Ouais, on a déjà un truc qui est très bien, donc non. Donc on va faire ça. Grâce à ces plaques renforcées imprégnées du pouvoir du cœur d'un ancien, cette armure résiste à tous les dégâts élémentaires. C'est pas mal ça. 5% de dégâts résistance aux gifles, brûlures et empoisonnement. Et il y a un emplacement, et puis les stats sont cool, les stats sont super cool. Yeah, on est niveau 3, tu vois. Alors, là, on peut pas augmenter avant-bras, on peut pas augmenter... Je pourrais augmenter la... le torse, mais bon... Je pense qu'encore une fois, c'est... du gâchis. Et on en revient. Je pense que c'est du gâchis. Que puis-je faire ? Je crois qu'on en a plein de ressources. Ah ! Allez. Voilà. Voyons, quoi d'autre ? Ah, peut-être le talisman. Au travail, allez. Ah non, il est déjà au maximum, il est pas là. Inutile de chercher un prétexte pour me dire bonjour. Pas quoi mettre encore une fois. Dégâts de brûlure, allez. On va prendre ça. En rage spartiate, on va pouvoir balancer. Si la défense est pas top, pourquoi je monte pas les HP? Bah, en fait, on n'a pas vraiment trop le choix non plus là en ce moment. Je privilégie surtout l'attaque. Mais bon, on a des défenses maintenant. On a le torse qui est pas mal en défense. Ça paraît le mieux. Parce qu'en fait, ce qui est... embêtant, c'est qu'il y a beaucoup de malus, il y a beaucoup de bonus. Sindri, pourquoi tu te réconcilies pas avec ton frère? Pourquoi? Quelle question. Parce que c'est une insupportable tête de mule, incapable d'évoluer. Parce qu'il dit des choses qui sont montées pour masquer ses complexes vis-à-vis de son travail qui, disons-le, laisse totalement à désirer. Et parce qu'il m'a dit des choses que je n'ai pas faites. Hein? Comme quoi?
Tu veux bien m'excuser ? Ah ! J'aimerais reprendre mes esprits. Yes, on peut mettre la on peut augmenter la poignée de Thor. Les dégâts électriques aux ennemis proximité à chaque coup de hache réussi. C'est un jour sombre pour tes ennemis. Ah, ça c'est pas mal ça. Bien, est-ce qu'il y avait autre chose à dire ? Ça c'est du bon ça. Là on a du bon. Je sais pas pourquoi je peux pas me téléporter là. Ah non, c'est vrai que c'est que dans un sens. On peut pas voyager entre les portes en fait, on revient toujours à la même. Je me demande si c'est pas un chargement en fait, la zone. Tout simplement. Et genre, on n'a pas besoin de courir. On a juste besoin d'attendre. À l'atelier. C'était l'heure de ma pause de toute façon. Ok. Bon, par contre, on a un. On a une carte au trésor, je sais pas où c'est. Je sais pas du tout, sans fermer l'œil. Mon voyage sera long, n'importe un essentiel et sans ancien. Regard protecteur du visage de Pierre jusqu'à mon retour. Je sais pas du tout. Bon, on va faire la mission un peu principale. On est déjà passé près de cette statue de Thor, après la grotte de la sorcière. Et c'est dans quelle direction ? C'est le milieu de la matinée, le soleil est là, alors... Le sud ? Le sud-ouest ? Bien. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Pas besoin de voir, pas besoin. Faut juste sentir en fait. Il faudrait qu'il vous fonce dessus à toute vitesse. Je peux pas les traduire sans le code complet. Ah, ça sert à rien. Ah non. Oh non. Oh putain. Ok, let's go.
des ennemis devant. Ça sort. C'est tout revenant. Allez, on est de retour au one shot quoi. Oh putain. Putain, on va s'amuser. Je pense qu'on peut les faire, mais. Putain, je suis pas sûr. Hein. Bah, je pense. Ça m'a enlevé toute ma rage parce que j'ai été touché. Là on va en faire chier, là c'est niveau 7, ouais, je viens de voir. Oh putain, ok. Peut-être plus tard, je vais retester une fois mais peut-être plus tard parce que là je mets du temps en fait à en tuer. Si je l'ai tué vite, ça allait. Là, ça, on peut le faire, mais je mets trop longtemps. Regarde, la magie de la sorcière recouvre encore les poteaux d'infamie. On va gagner du temps. Non. Ouais, non, non, ça sert à rien. Plus tard. On testera plus tard. Quand on reviendra de la montagne ou je sais pas trop quoi. Non, là c'est ça. Là on va perdre du temps. Enfin, on va perdre du temps. On va retester 50 fois. Ça va prendre 3 ans. Le moindre toucher est fatal. C'est bon quoi. Du coup. C'est par où? Non, c'est par l'autre côté. Non. Si c'était qu'une seule, ça irait, mais là, non. Ah, il nous faut un truc ici. Il nous faut un cristal. Oh, yes. Il a été détruit. Ah, on vient de revenir et c'est... Il y a tout qui est... ok. Atreus. Parfait. J'ajoute ça dans mon journal. Ok, on y va. On va avoir un comité d'accueil. On
à vous dire. Il y avait pas de... Ah putain. Ils étaient super simples. J'aurais pas dû utiliser ma rage. Pas grave. Ça aide pas ici. Fait mal hein, la vache. Non, allez, on prend le raccourci. Y'a quoi là-haut? Non. Là. La porter maintenant? Non. Mais... J'ai dit non. D'accord. Non. À ton avis, qui a sculpté le visage sur la montagne? C'est moi qui devrais te poser cette question. Merci. Ah, ça doit être là le trésor. Regarde où tu marches. La moindre imprudence pourrait nous ralentir. Le visage de Pierre. Oui. C'est sûrement ça en fait. Bon, bah maintenant on sait. Nous revoilà bloqués par le souffle noir. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir si la sorcière disait vrai. Le chemin, il est bloqué. Nous allons grimper. Il est où le visage de Pierre? Il est juste là. Ça doit être juste au-dessus, je pense. On peut sauter? Yes. Y'a quoi là? Let's go!
Tu sais, maman disait que les géants venaient souvent dans les montagnes de Midgard avant de disparaître. De disparaître? Oui, apparemment un jour ils sont tous partis, personne sait pourquoi. Peut-être sont-ils rentrés chez eux. On peut descendre. À Jotunheim? Non. Peut-être. Je me demande si ça pourrait être le visage d'un géant important. La bouche, on a réussi! Encore le souffle noir. Par contre, je voudrais aller l'autre. Putain, on peut pas revenir. Le même symbole que celui sur la porte qui mène à Yotunheim dans le temple de Tyr. Les géants sont bienvenus ici. Je dirais là-bas. Ah! Voilà la solution de l'énigme. Rayo 15%, le coup de rage lors des attaques en rage spartiate. Et là, c'est pour revenir. Ok. Parfait. Parfait. Est-ce que c'est un cerf? J'ai pas de souvenir d'histoire avec un géant à tête de cerf. Je me demande qui c'est. On peut pas traverser, mais il y a une vasque de sable. Que dit-elle? Bête sous le joug, ilote enchaîné ou arbre enraciné, nul ne répond à mon appel. Ça c'est la réponse typique de... Kratos. Rien. Le sol, Atreus. Ça veut rien dire. Il manque quelque chose. Il y a peut-être un autre cristal lumineux. Ouais. Et je parie qu'il est là-bas. On dirait que c'est parti. Oh merde. Pas super bien. On les a tous eu, on dirait. Pas super bien joué. Ces nuisées-là sont difficiles à toucher. Attends, je ne sais pas. Alors, t'inquiète. Si jamais il y a autre chose, on utilisera la rage. Faut vraiment faire tomber les cadavres en fait. Ça a pas l'air de marcher. Est-ce que c'est de la sève dans une grotte? Bizarre. Oh, là-bas. Ah, c'est ça qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il a atterri là-haut?
C'est parti. Cet endroit devait être très important aux yeux des géants. On dirait qu'ils nous testent. Oui, ça devrait marcher. Par contre, deux secondes. Forte chance d'obtenir un regain à chaque parade. Faut que je fasse des parades. Ah merde, il a pas tiré, putain. J'arrive presque à lire. Des rues. C'est la réponse. Liberté. Mais oui, c'est ça. Vas-y. D'accord. Fais ça. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'un pont apparaîtrait. Le test des géants n'est pas terminé. Je veux le trésor, moi, merde. Il y a un cristal dans le porte-flambeau. Je l'active. C'est mieux, non ? C'est mieux, mais c'est pas ça, quoi. Il faut descendre avant de monter, on dirait. Juste au cas où. Ces passages paraissent bien petits pour des géants. Qu'est-ce qui te fait rire ? Oh, tu es sérieux ? Je suis toujours sérieux. J'avais oublié. Maman disait toujours que tu t'intéressais pas à l'histoire. Les géants sont une race comme les elfes et les humains. Ça veut pas dire qu'ils sont grands. Et le serpent monde alors ? C'est vrai, dans son cas, géant veut aussi dire grand. Mais il y en a qu'un comme lui. Waouh. T'en vois que dalle, hein. Oh non. Je sais pas, on va se débrouiller. Ah, tapez. Moins chiante celle-là, cette de sorcière. C'est des cauchemars qui lancent des boules de feu, cela. Qui sont rapides. J'arrive. Des machins rapides.